Novak Djokovic a annoncé sur son compte Instagram qu'il mettait fin à sa collaboration avec Goran Ivanišević, son entraîneur depuis 5 saisons. Dans sa publication, le numéro 1 mondial s'est remémoré avec émotion le moment où il a invité Ivanišević à rejoindre son équipe en 2018. Cherchant à apporter de l'innovation et de la magie à son service, Djokovic a souligné les nombreux succès qu'ils ont connus ensemble, notamment le classement en tant que numéro 1 mondial en fin d'année, ainsi que 12 autres victoires en tournoi du Grand Chelem. Il a également évoqué les rires, le plaisir, mais aussi un peu de drame que leur collaboration a apporté. Novak Djokovic a révélé que lui et Goran Ivanišević avaient décidé de mettre fin à leur collaboration il y a quelques jours. Malgré cette décision, Djokovic assure être toujours en bon terme avec le coach croate, soulignant la solidité de leur amitié. Il a également mentionné avec humour qu'en plus de leur succès sur les courts, ils avaient également une bataille parallèle dans un jeu de société, le Parchisi, qui perdure depuis de nombreuses années. Djokovic a remercié Ivanišević pour tout ce qu'il a apporté et a conclu en exprimant son amour pour son ami. Concernant son futur entraîneur, Djokovic n'a pas encore fait d'annonce. Actuellement à Belgrade pour se préparer à la saison de terre battue, le numéro 1 mondial fait face à un début d'année difficile, marqué par des défaites en demi-finale de l'Open d'Australie contre Jannik Sinner et au troisième tour d'Indian Wells contre Luca Nardi, classé 123e au classement ATP.